Qu'est-ce que la matrice? Il y a tellement de choses dans le film Matrix qui sont tout à fait similaires à ce que nous vivons aujourd'hui. Dans la matrice, les gens vivent dans l'illusion. Le mensonge a recouvert leur vue et ils ne peuvent plus voir la réalité telle qu'elle est. La vérité étant qu'ils sont esclaves d'un système qu'ils ne peuvent pas voir, ni toucher, ni même sentir. Et au cours de cette supposée fiction, vous découvrez que nos vies ne sont pas très éloignées de celles des personnages de ce film. 14 décembre 2014, révélation de Jésus-Christ à sa messagère Gwendolyn Rix-Song, traduite et lue par Justine. Bienvenue dans la matrice, mes enfants, où rien n'est réellement comme ça en a l'air. Ces dernières semaines, j'ai demandé à certains de mes enfants de considérer ce qu'est la matrice. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'est une barrière spirituelle et permettez-moi de piocher dans la matrice de l'extérieur. Mes enfants, la matrice est un phénomène spirituel bien réel. C'est un état subconscient altéré dans lequel l'ennemi a asservi les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont en fait pas capables de voir les frontières de cette matrice, sauf s'ils marchent dans mon Esprit Saint. Quand mes enfants marchent dans l'esprit, beaucoup de choses peuvent leur être révélées. Ils peuvent voir qu'il y a beaucoup de messages subliminaux transmis et perpétués par les Illuminati. Et il y a une dissimulation de l'histoire du monde par l'Église catholique romaine, détruisant des objets archéologiques témoins, et jusqu'à la véritable date de ma naissance dans un but prémédité. Mes enfants, la matrice est une cloison entre le bien et le mal. Rappelez-vous que dans ma parole sainte, il est dit que ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit du Dieu vivant a à dire. Mes chers enfants, cela concerne aussi la matrice, qui est un moyen pour Lucifer de mettre un voile sur les yeux de mes enfants innocents. Considérez aussi les derniers spectacles de Super Bowl, mes très chers enfants. Dans l'organisation de Satan appelée les Illuminati, ils échangent des signaux de reconnaissance et également avec leur roi de l'abîme. Ils utilisent également des dessins animés que vos innocents enfants regardent souvent sans surveillance à la maison, pendant que leurs parents sont dans la pièce à côté. Les Illuminati ont également altéré la nourriture de mes enfants et ont placé des noms astucieux destinés à insulter le Dieu de l'univers. N'avez-vous jamais examiné le nom de divers produits? Pensez-y, mes enfants. Un coca, ou cocaïne en anglais, et le sourire. Celui qui sourit, c'est l'ennemi pendant qu'il essaie de rabaisser mes enfants en leur faisant consommer des boissons et de la nourriture malsaine qui raccourcissent leur durée de vie et génèrent d'horribles maladies telles que le diabète. Un autre nom de marque populaire est Splenda. C'est un simili du mot splendide. Il n'y a rien de bon ou de splendide à voir mes enfants se gaver de boissons sans sucre chargées en saccharine ou autres édulcorants artificiels. Cette partie de la matrice est celle où l'ennemi tente d'attaquer la mémoire de mes enfants. Mes enfants qui consomment ces édulcorants artificiels depuis des années commencent à avoir des symptômes neurologiques et des pertes de mémoire. Pensez-y, que veulent-ils que vous oubliez? Oui, ils veulent que vous oubliez votre Créateur et son Fils Jésus. Je suis en route pour rétablir la vérité. Il y a tellement d'illusions et de leurres dans la matrice. Et si vous demandez à mon Esprit Saint, vous pouvez déchirer la matrice avec le tranchant de mon esprit. Demandez et il vous sera donné les réponses que vous cherchez. Restez sous la protection de mon Saint Sang et je vous aiderai à échapper à tout ce qui va arriver à votre nation qui fut une grande nation. Avec amour, Jésus.